Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour, le nouvel oracle du petit Lenormand. Donc voici le livret, l'intérieur du livret, les petites cartes. Donc c'est très simple. Il suffit de vous poser une question, de choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. Ah, voilà notre petite assistante. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2. Ah oui, vas-y, assieds-toi sur la carte, on ne dira rien. Carte numéro 3. Alors, carte numéro 1, le soleil, on veut du soleil, on veut du soleil, du soleil, du soleil, 31. C'est une carte positive et forte qui souvent annule ou adoucit les cartes négatives qui peuvent l'entourer. Quel que soit le domaine, elle est porteuse d'un message de joie, de bonheur, de douceur, de chaleur et d'optimisme. Sur le plan professionnel, le soleil est signe de réussite, de satisfaction, d'essor, de reconnaissance, d'espoir, de concrétisation, de retour à l'emploi. Sur le plan sentimental, c'est un signe de bien-être et d'épanouissement, et ce, que le consultant soit seul ou en couple. Pour un célibataire, cela peut être le signe de séduction, d'une aventure ou d'une rencontre importante à venir. De manière plus générale, c'est la carte des vacances, des événements positifs. Par extension, la carte du soleil peut aussi être associée au père ou au conjoint. Maman doudou. Alors, la carte numéro 2. Anneau. C'est la 25. C'est une très bonne carte. Elle est signe d'accord, d'officialisation, de contrat à venir. Ainsi, lorsqu'elle apparaît, il y a un mariage dans l'air, un contrat intéressant ou des associations avantageuses à venir. Sur le plan professionnel, elle indique que le consultant est bien entouré. Le travail d'équipe s'avérera payant. C'est aussi un symbole de reconnaissance et de réussite. Si le consultant cherche un emploi, il en trouvera un rapidement. Côté cœur, c'est l'indice de la réciprocité des sentiments, de l'attachement et de l'affection. La carte des anneaux annonce un mariage ou des fiançailles. Pour un célibataire, elle promet la fin de la solitude et l'arrivée prochaine d'une relation durable. Et les petits oiseaux. Ah bah voilà, j'en parlais ce matin des petits oiseaux. C'est une carte positive, elle est le symbole de la communication, des rencontres et des sorties. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant se situe dans une période propice aux investigations et aux échanges. Elle indique que la période qui arrive sera idéale pour les négociations, les rendez-vous en tout genre, pour les nouvelles relations amicales. Dans un couple, elle est l'indice de partage et d'écoute. Bien que positive dans un contexte négatif, elle peut représenter les médisances. Ah, c'est ça qu'ils font les petits oiseaux le matin. Donc, c'est la journée des oiseaux aujourd'hui. Donc, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi des petits oiseaux en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!